Le chauffeur international. Je viens d'être recruté par le prophète. C'est moi qui conduis maintenant. Sauf que chaque choix que je fais, il n'est pas trop sûr. Quoi. On conduit à deux. Là-bas, je freine, il n'y a pas le frein. Mon pied freine comme ça, là, c'est vide, mais en bas, là, on freine dans le vide. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. C'est une joie pour moi de vous retrouver. On a fini la mission à Bertois, nous sommes rentrés. Nous sommes à Yaoundé déjà. Juste pour dire à l'église de Yaoundé, nous avons un grand culte, le premier culte du mois de décembre, qui est le mois transitionnel entre 2023 et 2024. C'est un culte d'une signification prophétique hautement élevée. Je vous en supplie, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas avec ce culte. Restez à l'affût. Ce dimanche, 3 décembre, ne manque sous aucun prétexte à ce grand culte de délivrance à la Bible et dans toutes nos églises. Où que vous soyez, ne manquez pas. C'est le premier dimanche du mois de décembre. Ne manque pas, s'il te plaît. Nous allons passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Nous allons recommander déjà l'année 2024 à notre Dieu. Et vous savez que le pèlerinage sur le mont Kolafamba, c'est du 13 au 16 décembre. Donc nous y sommes presque déjà. Je ne sais pas si tu as déjà ton badge. Prends ton badge dans nos assemblées, dans nos églises. Les badges ne se prennent pas sur Internet parce qu'il y a beaucoup de faux comptes au nom du prophète Ferdinand et Canet. Les badges ne se prennent pas sur Facebook. On ne vend pas les badges sur Facebook. Tu prends le badge dans ton assemblée locale. Pour avoir le badge, tu dois te rendre dans une assemblée Rema Mission, donner ta contribution de 10 000 francs et retirer ton badge. Ou alors, venir au pied de la montagne, prendre ton badge sur place. Parce que pour les retardataires, pour ceux qui n'auront pas pu avoir leur badge, on prendra la peine de leur livrer le badge au pied de la montagne avant de grimper. Mais dans tous les cas, Dieu est bon, mes amis. Le Seigneur est souverain. Donc, tu ne manques pas ce grand culte. Je t'invite, c'est un culte spécial. Le culte qui t'introduit, tous les cultes de décembre seront introductifs à l'année 2024. Nous allons prier pour 2024. La manière dont tu prépares ton année déterminera comment tu vivras dans cette année. Et la manière dont tu achèves une année déterminera comment tu vivras dans l'année suivante. Bonjour à mon fils, l'apôtre Patrick Canao. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Ce dimanche, premier culte du mois de décembre, ne manque pas. La Bire est située en Kouaban. La Bire est située en Kouaban. Nous sommes en Kouaban. Quand vous arrivez en Kouaban, on dit simplement qu'on vous amène à la Bire. Voilà, c'est une bonne maison. On vous amène à la Bire et le Seigneur fera le reste. Alors que Dieu bénisse au nom de Jésus. Je suis avec le prophète La Montagne, le grand prophète Saint Martial. C'est une grande grâce d'être conduit par un prophète majeur. Regarde comment la voiture bouge. Parce qu'on est sur le cheval. Shalom, vous achevez cette année en beauté. Amen. Il est Alpha, il est Oméga. Il a été Alpha pour vous, oui. Il sera Oméga. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Ce mois de décembre, il se lèvera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne année par anticipation 2024. Et en France, c'est la lune d'or, la sale lune d'or. Et Dieu se manifestera puissamment. Cette nuit de flamme, cette nuit de l'exode, je voudrais la passer avec vous là-bas en France. Et il n'y a pas d'inscription, l'entrée est gratuite et libre pour tout le monde, pour ceux qui veulent en ma compagnie en 2024. Dans tous les cas, ceux-là, ils n'oublieront jamais cette nuit-là. Elle impactera leur vie pour toujours. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Bye, shalom.